Diffusée depuis près de 10 ans, la série Léo Mattei, Brigade des mineurs est de retour pour une 10e saison. Alors que le premier épisode a réalisé de très bonnes audiences en réunissant 4,33 millions de téléspectateurs, soit 23,6% de part d'audience moyenne, un nouvel épisode inédit va être diffusé le jeudi 13 avril. Dans ce double épisode intitulé La menace fantôme, l'intrigue a lieu dans un village provençal de l'arrière-pays. Alors qu'Eva, 8 ans, Arthur, 11 ans, Raphaël, 12 ans, et Gaspard, 13 ans, s'amusent à explorer une maison abandonnée, le jeune Raphaël découvre quelque chose de suspect dans une cave avant de disparaître brutalement. Pour cette nouvelle enquête, le commandant de police Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann, est dépêché sur place avec son équipe. S'il va tout faire pour tenter de retrouver l'enfant en vie, il va rapidement découvrir que sa disparition est liée à celle d'une jeune femme, disparue un an auparavant, dans le même village. Quatre acteurs célèbres invités dans Léo Mattei. Dans ce nouvel épisode de Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann est accompagné par Lola Dubini, Inès Salma, Stomy Bugsy, Commissaire Daguerre, Alexandre Achedjian, Jonathan Nassib, Romain Portail, Marion Dacosta, mais aussi quatre invités exceptionnels. En effet, de célèbres acteurs ont participé au tournage de La menace fantôme. Il s'agit de Xavier Delugue, section de recherche, Stéphane Hénon, Plus belle la vie, Jérémy Bancher, Ainsi grand soleil, ainsi que la mannequin et actrice Estelle Lefébure. Un casting de qualité qui laisse déjà présager un épisode riche en émotions. À quelques heures de sa diffusion, Jean-Luc Reichmann a d'ailleurs indiqué qu'il s'agissait d'un des plus beaux épisodes de la série. Un des plus beaux moments avec les enfants depuis 10 ans. Impatient de vous faire découvrir cet épisode inédit, a-t-il écrit sur Twitter. Le public devrait être au rendez-vous.